We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Collaboration avec la 3. La Elbe Ciné et l'IEX présente. La cinquième édition de Silence, on fif. Bonjour ou bonsoir à tous. Le Festival international du film francophone de Namur est entré dans sa dernière ligne droite. C'est déjà l'avant-dernier numéro de ce magazine entièrement réalisé par des étudiants. Alors, si vous nous êtes fidèles, vous avez remarqué que l'équipe était très féminine. Eh bien, ça va encore se vérifier aujourd'hui, puisque je suis accompagné par Annabelle à la présentation. Bonjour Annabelle. Bonjour Eric. Qu'avons-nous en magasin aujourd'hui ? Bonsoir à tous. Alors, au sommaire de cette édition, immersion dans le cinéma de Lucas Bellevaux. L'acteur et réalisateur namurois a la fibre sociale et n'hésite pas à prendre position. Son dernier film engagé chez nous a d'ailleurs fait beaucoup parler. On s'intéressera aussi à un habitué du FIF. En plus de présenter son premier film Walaï, Bernie Golbat soutient un projet culturel qui lui tient à cœur, la construction du ciné Gimbi au Burkina Faso. Et enfin, il y a 2 ans, elle remportait le Bayard d'or de la meilleure actrice pour son interprétation dans Much Loved. Loupna Abidar revient cette année en tant que membre du jury officiel long métrage. Elle sera avec nous en plateau. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre première séance de cinéma. Moi, personnellement, c'était Bambi dans les années 30 ou 40, ça date un petit peu. Mais la première fois pour nombre de petits Namurois, c'était en fait hier. De nombreuses classes de maternelle ont assisté à la projection de courts-métrages. Cet événement était organisé par le FIF Campus et était destiné aux enfants de 3 à 5 ans. Au programme dessins animés, films d'animation et pâtes à modeler, Marie a assisté à l'atelier. News!
on va dire bonjour à toute l'équipe du festival. Bonjour, Annie ! Waouh, super ! Et pour profiter tous ensemble des films, on ouvre grand les yeux, grand les oreilles, et on fait un grand silence. Il n'y a pas d'âge pour devenir cinéphile. Le FIF l'a bien compris, puisque depuis plusieurs années, le festival organise avec succès des projections exclusivement destinées aux petits. L'idée, c'est que d'essayer de les maintenir un petit peu, de maintenir leur attention sur toute la séance. C'est pour ça que je reviens régulièrement, en fait. On essaye vraiment de vulgariser un maximum. Donc, on fait même des petites expériences ensemble. Hein. On montre un petit peu comment on met les images les unes à la suite des autres. C'est tout simple, mais en fait, voilà, c'est vraiment ça qui marche. Parce que le rush, ça ne sert à rien de commencer à faire des grands discours techniques. De temps en temps, il y en a qui ont un petit peu peur, ça dépend un petit peu du programme de chaque année. Mais voilà, on est là aussi pour dire que c'est important de vivre les émotions. T'aimes bien le cinéma? Tu viens souvent au cinéma? Oui, avec ma mamie et mon papa, je viens au cinéma parfois. Et tu viens voir quoi? Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Avec ma marraine, je vais toujours au cinéma. Bonne journée. Tu vas aller au dessin animé? Mm-hmm. Non. La séance ne se limite pas à la projection, puisque les enfants ont la chance de rencontrer les réalisateurs. Et ben en fait, ça c'est un film que j'ai réalisé à l'école, donc c'est mon film de fin d'études. Donc en fait, j'étais vraiment toute seule pour tout faire. Et ça m'a pris 6 mois de l'idée, à partir du moment où j'ai eu l'idée, que j'ai écrit l'histoire, j'ai fabriqué toutes les marionnettes en papier découpé. Et je les ai ensuite animées, j'ai fait le montage. Et voilà, donc tout ça, ça a pris 6 mois. Cette année, le FIF s'est adapté aux enfants malentendants. Une traductrice était présente sur scène tout au long de la projection. Au final, c'est pas moins de 10 écoles et de 300 élèves qui ont fait le déplacement. Et malgré leur jeune âge, les enfants ont déjà leurs propres avis sur les films. Lequel t'as préféré ? Envie de venir au cinéma, revoir autre chose après. C'est là que j'ai vu. Voilà, je vous parlais d'un FIF très féminin cette année. Eh bien, ça se vérifie puisque notre première invitée, c'est Lubna Abidar. Vous avez été, l'an dernier, vous avez présenté un film, Much Love, dont on a beaucoup parlé. Hein. Il y a eu une polémique, elle a même été interdite au Maroc. Ça vous a aussi valu des reconnaissances hein, à Cannes et à Namur. Bonjour, merci d'être là. Si vous êtes là cette année, ce n'est pas pour présenter un nouveau film, c'est parce que vous faites partie du jury officiel. Il a même délibéré hier. On peut avoir le palmarès, non? Oui, c'est moi qui ai gagné, comme toujours. Je ne peux pas vous dire. Mais peut-être que Marie aura plus de chance. Elle sera plus convaincante. Lubna Abidar, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez présente au FIF en 2015, on l'a dit. C'était dans le cadre du film Much Loved. Vous avez d'ailleurs remporté le Bayard d'or pour votre rôle dans ce film. Regardons ensemble quelques images. Bien sûr que je peux. Tu te rappelles de Randa? Oui. La même salia, Chanalioma. Oui, c'était il y a 2 ans, en fait. Oui, demain soir, on sera chez toi. Oui. Ça va être la fête. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que cette année, faire partie du jury emmené par le réalisateur Martin Provost, était-ce une suite logique pour vous? Oui, c'est normal parce que j'ai l'habitude d'être jurée dans plusieurs festivals. C'est mon 10e festival que je suis parmi les jurés. C'est pas bizarre. Vous êtes passée par quel festival du coup en tant que jurée? Beaucoup, le festival méditerranéen. J'ai plusieurs festivals français en France. Et est-ce que votre présence ici, c'est en quelque sorte une façon de remercier le festival de Namur? Bah, oui, c'est pas seulement ma présence qu'il va remercier ce festival, parce que ça a changé vraiment ma vie. C'était mon 2e prix que j'ai pris en tant qu'artiste, c'était dans ce festival. Alors j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour ce festival. Alors il y a 2 ans, vous étiez jugée. Cette année, c'est à votre tour de juger. Est-ce que vous avez des critères en particulier quand vous allez voir un film? Non, mais c'est seulement la sélection. Toujours, il y a des très bons films. On a la chance de voir tous ces films. Mais chaque réalisateur, soit il nous fait rêver, soit pas. Voilà. Et l'actrice qui va gagner cette année, vraiment, il mérite son prix. Vraiment. D'accord. Et est-ce que vous arrivez, quand vous regardez un film, à le regarder en tant que spectatrice, lambda? Non, on ne peut pas faire ça. C'est vraiment autant que j'aurai, on regarde d'une autre façon.
Parce que vous avez votre rôle d'actrice, j'imagine. Oui, il y a le rôle d'actrice. Il y a aussi, on est obligé de regarder autrement pour pas rater quelque chose ou faire du mal à quelqu'un. Parce qu'un travail de cinéma, c'est beaucoup de temps, une grande équipe. Il faut vraiment regarder avec patience et beaucoup d'amour. Donc c'est une sorte de responsabilité pour vous en tant que juré, j'imagine. Bien sûr, c'est une très grande responsabilité, oui. Et concrètement, cette semaine, elle s'est passée comment ici, au sein du FIFA Namur ? Bah, très bien, des belles rencontres, des très bons films, la fête, voilà, c'est la Belgique, beaucoup de chocolat, beaucoup de frites, et le reste. Non, mais c'était chouette. L'ambiance au sein du jury, comment ça se passe ? Bah, l'ambiance, on est devenus très très amis parce qu'on ne se connaissait pas avant, on a une très bonne harmonie et je suis très contente de faire partie de ces jurys, ils sont magiques vraiment. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. On a parlé du film Much Love hein, qui avait traité de la prostitution, qui vous avait valu pas mal d'ennuis. Le film avait été interdit au Maroc. Est-ce que ça continue aujourd'hui de vous poursuivre ou est-ce que c'est une page qui est tournée ? Non, cette page, elle va être jamais tournée parce que le film a ouvert beaucoup de débats. Et certes, dans mon pays, ça ne va jamais fermer. C'est un film qui va me suivre toute la vie. On parlait tout à l'heure dans le premier reportage des premières fois des enfants. Votre première fois au cinéma, vous, c'était ? Ah, c'était compliqué. Pour voir une salle de cinéma, c'était en cachette vers l'âge de 4 ans, 5 ans. Et mon première fois pour le cinéma, à l'âge de 10 ans, et avec un film de Les Spice Girls. Bien. Mais merci, Loubna Abidar. Merci. Bonne fin de festival ici. Merci, Marie. Loubna Abidar, qui a aussi accordé un long entretien au Bruxelles Bondy Blog. Là, c'est la partie web du travail des étudiants. Alors, on vient de parler du Maroc. On va rester sur le continent africain, mais un peu plus au sud, au Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, avec un personnage qu'on voit beaucoup au FIF. Bernie Goldbat est un festivalier peu commun, présent à chaque édition. Cette année, il revient et il a une double casquette. En plus de récolter des fonds pour la construction du cinéma au Burkina, il viendra également présenter son premier film, Walaï, un reportage signé Roman et François Nicolas. Si Bernie Goldblatt se rend au FIF depuis plus de 5 ans, ce n'est pas anodin. Il a dans la tête un projet depuis plusieurs années, reconstruire une salle de cinéma au Burkina Faso, le Ciné Guimbi. Notre porte d'entrée en Belgique pour ce projet, c'est le festival le FIF Namur, avec lequel on est partenaire depuis 2013. Et ça nous a permis de bénéficier de fonds, notamment de Wallonie-Bruxelles International. Et on arrive vraiment à avoir une implantation, je dirais, belge et francophone aussi. Le gros œuvre du chantier est déjà effectué. Il devrait être prêt pour 2018 et ressembler à cela. Avec pour but, répondre au besoin de redynamiser le cinéma africain. Aujourd'hui, au Burkina, comme dans d'autres pays, c'est urgent de réouvrir des salles. Parce qu'une salle de cinéma, c'est une lumière. En fermant des salles, on éteint une lumière. Et une salle, c'est aussi, quand je dis une lumière, c'est un pont vers les autres cultures. Une salle de cinéma permet aux gens de rêver, d'être aussi de s'enrichir. Ce combat pour le cinéma africain est le fruit d'un parcours singulier. Né en Suède, de parents suisses et polonais, dès les années 90, Bernie décide de s'installer en Afrique. Je suis parti en voyage pour découvrir un peu le monde. Et voilà, en fait, je tombe amoureux de l'Afrique de l'Ouest et je suis resté, j'ai développé des activités, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens et finalement, je m'y suis plus. Le Burkina Faso devient son pays d'adoption, mais également le décor de son nouveau film. Premier long métrage de fiction, Walaï est d'ailleurs en compétition cette année au FIF. Hé, hey, Adi, sors de là! Y'a quoi? Je te préviens, y'a des crocodiles par ici, hein. Ça fait trop du bien, putain! Hé, hey, sors de là, je te dis! Tourner au Burkina, c'est tourner dans des conditions difficiles. L'handicap de Bernie Goldblatt ne l'arrête pourtant pas. Rien n'est impossible, quoi. C'est-à-dire que moi, je regarde pas mon handicap comme un frein. Donc, si j'ai choisi un décor, je trouve toujours des manières pour y accéder. C'est vrai que c'est pas facile, tourner sur l'eau, dans des pirogues de fortune. Mais voilà, j'étais bien entouré. J'essaie de m'entourer de personnes en qui j'ai confiance, qui peuvent m'aider aussi pour m'emmener ici et là. Et voilà, après, voilà, j'ai toujours eu un peu ce côté cascadeur, évidemment. En lice pour le prix Cantillon, récompensant une première œuvre, ce réalisateur plein d'audace nous livre un film qui reflète son amour pour ce continent et son cinéma. Tourne.
Alors, comme chaque jour dans cette émission, nous célébrons les 50 ans du cinéma belge par un portrait de cinéaste. Hier, c'était Joachim Lafosse et aujourd'hui. Gros plan sur Lucas Bellevaux. Le cinéaste namurois n'a pas peur de prendre parti. Très engagé, il aime varier les genres et les histoires. Il alterne entre scénarios originaux et adaptations de faits divers. Jeanne, Romain et Romane vous proposent de vous le faire découvrir ou tout simplement de vous le présenter. Le focus! Le suspense. Un poulet pas trop nerveux. Vous avez pas le droit. C'est vrai que cette claque n'était pas méritée, car Lucas Bellevaux est un acteur et un réalisateur engagé. Né à Namur le 14 novembre 1961, il se fait connaître du grand public en tant que comédien. Officier de police Lavardin. Après être passé derrière la caméra de Claude Chabrol dans Poulet au vinaigre, il poursuivra une carrière prolifique en tant que comédien. Jusqu'à ce qu'il décide de passer derrière la caméra. En 96, son deuxième film, Pour rire, est remarqué par la critique. Un mari cocufier fait tout pour devenir le meilleur pote de l'amant de sa femme. Après ça, la machine est lancée. Parce qu'un film ne suffisait pas, Bellevaux décide d'en tourner trois, avec à chaque fois un genre différent pour raconter la même histoire. On retrouve dans sa trilogie une comédie pour un couple épatant, un thriller pour Caval et un mélodrame pour Après la vie. On m'a demandé si je souffrais. Dans Rapt, Bellevaux adapte la fameuse affaire du kidnapping du baron en pain. Qui j'avais pensé à ce moment-là? Qui m'a demandé si j'avais eu peur? Qui m'a demandé si j'avais pleuré, si je m'étais senti seul? Avec la raison du plus faible, il met en scène une belle bande de bras cassés préparant le casse du siècle. Tout ça pour que le personnage principal puisse offrir une mobilette à sa fiancée. Quelque chose qui fait que le matin, on est heureux de se réveiller. Dans 38 témoins, Yvan Attal est seul contre tous. Ouais. Avant de lancer la machine, donnez-moi une bonne raison de penser que vous êtes plus crédible que les 37 autres. Demandez-vous qui a intérêt à mentir. Je m'appelle Clément. Et vous, c'est Jennifer. On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Ah, et moi, je suis coiffeuse. Dans un tout autre registre, il marie coiffure et philosophie. C'est un sport de combat. C'est la meilleure façon de ne pas se laisser manipuler. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. C'est quelqu'un comme toi que les gens... Réalisateur engagé, son film Chez nous dénonce la montée de l'extrême droite. Le film sort à quelques mois des présidentielles françaises, et Bellevaux n'hésite d'ailleurs pas à affirmer son point de vue sur les plateaux télévisés. Ça sert plus à rien d'aller à la télé et de dire « bon, bah voilà, c'est pas bien, c'est des crétins, etc. » Il faut faire un travail de fond, un travail plus politique, entre guillemets. On a la chance, nous, de faire des métiers créatifs. On peut faire des films, écrire des livres, des documentaires, de la musique, du théâtre, des spectacles. C'est notre rôle. De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Pas du tout. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retrouve dans tous les films de Lucas Bellevaux, c'est le côté humain. Ce qui l'intéresse, c'est la rencontre entre les classes sociales et les relations entre ces personnages. Et tout cela mérite des applaudissements. Pour notre deuxième plateau, nous recevons deux jeunes acteurs français. Enfin, quand je dis jeunes, c'est par rapport à moi, évidemment. Vous devez avoir la trentaine. Bonjour. C'est bonjour, ça. Sébastien Houbani. Bonjour. Et Vincent Rottier. Vous jouez tous les deux dans La part sauvage, un film du Belge Guérin van der Vorst. Ouais. Eh bien, Romane, tu as vu le film, dis-nous d'abord de quoi ça parle. Eh bien, La part sauvage, c'est une histoire d'aujourd'hui. Ben sort tout juste de prison et pendant son incarcération, il s'est converti à l'islam. À sa sortie, il va faire la rencontre de Mustapha, qui deviendra son nouveau maître à penser. Et tout doucement, Ben va tomber dans des sphères religieuses plus radicales. Mais ce qui compte le plus pour lui, c'est Samir, son fils. Et ce qu'il souhaite, c'est passer un maximum de temps avec. Et tout le long du film, ce qu'il va faire sera justifié par l'amour qu'il porte à son fils. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ça, c'est pour toi. Et toi, t'as fait quoi pour aider la religion? Vis-à-vis d'Allah, on est responsable. C'est ton fils, j'oublie jamais ça. Tiens, il faut que je dise un truc. Par contre, tu le dis chez toi, hein, tu le dis pas ici. C'est un mec bizarre, lui. Maintenant qu'il traîne avec les barbus, il se prend pour un grand. C'est mon fils, là, j'ai besoin de le voir. Mais je t'empêche pas, j'ai juste pas le temps et je te fais aucune confiance. Je t'ai traité comme un frère et toi tu me fais ça? Tu peux comprendre, non? Non, je comprends pas, non. Ça sert à rien, François. Et pourquoi ça sert à rien? Parce que t'es un peu fou. Allahu Akbar. Tu peux pas laisser ton fils ici, entouré d'infidèles. Allahu Akbar. Il finira par se retourner contre nous tous. C'est ça que tu veux? Allahu Akbar.
Une histoire terriblement actuelle donc, avec des thèmes comme la radicalisation et l'amour d'un père pour son fils. Vincent Rottier, merci d'être avec nous. Vous interprétez un Ben qu'on voit bouillonner de l'intérieur. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'était une certaine maladresse quand votre personnage était en train de renouer des liens avec son fils. Vous êtes d'accord avec ça? Ben, je suis d'accord parce qu'il n'a pas vraiment connu son fils, donc du coup il est mal à l'aise quand il le retrouve un petit peu, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc oui, je suis d'accord. Et vous jouez souvent des personnages tiraillés, nerveux, racailles au grand cœur, et pourtant ici vous êtes tout calme, tout posé. Bah ouais, c'est les films, parce que dans la vie je ne suis pas vraiment comme ça. Hein. C'est tu vas voir, dans deux minutes films. Il va t'en mettre une. Hein, non mais, ouais, non, je pense que c'est par rapport au premier film, j'ai tourné Les Diables. Comme c'était un rôle un peu violent, etc. Donc on m'a mis dans ça, quoi. Vous a catalogué un peu... Ouais, voilà. Ok. Et Sébastien Oubani, vous jouez son meilleur pote. Vous êtes un peu la seule stabilité qu'il a durant le film. Est-ce que vous pensez qu'une amitié forte comme celle-là est compréhensive dans la vraie vie? Eh bien, ça peut aider les gens à ne pas tomber dans la radicalisation ou à chuter, en fait. Oui, je pense. Je pense, mais là, en l'occurrence, dans cette histoire, non. En fait... je pense que dans cette histoire, Ben, c'est quelqu'un qui est très seul, en fait, et qui est complètement perdu, et il a un besoin d'appartenance important. Et moi, je ne peux pas lui offrir ça, parce que moi, je suis en train de construire une famille dans le film. Je suis à un tournant de ma vie où voilà, j'ai un boulot, je commence une activité dans un garage. Donc à ce moment-là, je crois que je ne peux pas être entièrement, lui apporter entièrement ce que lui, il attend, en fait, de la vie. Des gens. Moi, je peux essayer de le réinsérer. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et en fait, aussi, dans leur relation, Ben, c'est quelqu'un de plutôt taiseux. Et je pense qu'il ne lui dit pas tout, en fait. Donc, je ne peux pas l'aider là où il a ses failles, en fait. Et dans le film, on reconnaît Bruxelles, notamment Molenbeek, que Donald Trump a qualifié de trou à rat. Est-ce que c'était nécessaire que l'histoire elle se passe là? C'est pas un peu... renfoncer le couteau dans la plaie et taper encore sur le dos de Molenbeek? Alors, nous, il faut savoir qu'on est acteur, et donc cette question-là, je pense qu'elle aurait été plus pertinente à la poser au réalisateur. Il est là, hein, si tu veux, hein, mais je crois qu'il est par là. Mais quand on vous a expliqué ce film, on vous a quand même expliqué pourquoi est-ce qu'on le faisait en Belgique, pourquoi est-ce qu'on le faisait à Bruxelles? Personnellement, moi, non. Je sais parce que le réalisateur est belge, que je pense qu'il avait à cœur de filmer son pays, sa ville, et voilà. Et puis peut-être par les derniers événements, peut-être que de filmer Molenbeek, c'était aussi ça allait de soi. Ça allait de soi, ouais. Je me demande si d'ailleurs c'était avant le film. Je crois qu'il a été écrit avant les événements et tout ça, je crois. Hein. Donc je pense que c'est un truc de Belgique, quoi. Molenbeek, c'est sûrement là où ça se passe. Et voilà, du coup, il a voulu le mettre dans le film. Quoi. Et les repérages, je ne sais pas quand ils ont été faits à ce moment-là exactement. Ok, mais merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à mes questions. Merci Sébastien Oubani et Vincent Rottier donc pour La Part Sauvage. Annabelle, je me tourne vers toi. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller faire une petite croisière en Meuse? Tout à fait. Marie a navigué aux côtés d'Émile Schneider et il est présent au FIF dans le cadre de Génération Talent. Le but de cet atelier, c'est de permettre à des jeunes acteurs belges ou francophones de rencontrer des agents et des directeurs de casting. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur le bateau FIF. C'est un immense bonheur. Vous êtes un acteur québécois, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public belge? Je fais ça depuis quelques années, j'ai toujours voulu jouer, puis c'est ça, j'ai fait une école de théâtre un peu comme il y a en Belgique. J'ai fini en 2011, puis depuis, je me suis retrouvé sur plein de projets. Je fais pas mal de cinéma d'auteur, de cinéma indépendant, pas mal de courts-métrages, puis je croyais faire du théâtre de parvis d'église, puis d'aller me promener en Europe de l'Est avec un baril puis deux bretelles, puis faire du clown. Puis finalement, je me suis retrouvé au cinéma, fait que je fais pas mal de films de toutes sortes. Je lis beaucoup de scénarios. Pour moi, l'écriture est super importante. Du coup, vous avez parlé de théâtre. Ouais. Si vous deviez choisir entre le cinéma et le théâtre, qu'est-ce que vous choisiriez? Ah, tu peux faire que du cinéma, pas faire de théâtre, mais je pense que faut que tu ailles sur les planches. C'est juste deux zones. C'est juste un rayonnement qui est différent. C'est deux états, mais je pourrais pas choisir entre les deux. Je vais toujours faire les deux.
Donc l'année passée, vous étiez là pour le film Le Pacte des Anges. Ouais. Cette année, c'est pour Génération Talent. Ouais. J'imagine que c'est deux façons assez différentes de vivre le festival. Ouais, c'est quand même très différent. J'avoue que je m'étais infiltré avec Génération Talent l'année passée parce que c'était plein de jeunes acteurs de partout à travers le monde dans la francophonie. C'est cool de savoir c'est quoi un peu les parcours, c'est quoi le chemin pour se rendre sur les plateaux, puis tout ça. Après, c'est toute la même chose, on a tout le même désir à quelque part. On veut jouer finalement, puis on se retrouve là. Cette année, on joue, donc c'est cool. On a des ateliers. Puis de rencontrer des jeunes réals belges aussi, ça, c'est un beau cadeau aussi, de rencontrer des réalisateurs, réalisatrices de notre âge qui sont passionnés, qui nous dirigent, pour faire des scènes, c'est cool. Donc le but, ce serait peut-être d'avoir une carrière un peu plus ici, en Europe? J'aimerais ça venir... j'ai toujours... Ma mère est française, en fait. Ma mère est alsacienne, puis mon père est à moitié basque. Puis c'est sûr que j'ai quelque chose qui se passe ici dans mon sang, je sais pas. Quand je viens ici, je me sens bien, donc... Puis il y a une plus grande diversité. Quand même, le cinéma belge aussi est bien vivant. Le cinéma en France est quand même bien vivant aussi. Puis voilà, je vais explorer. Puis j'aimerais ça créer des ponts entre le Québec puis ici aussi, parce qu'il y a pas beaucoup... On reçoit pas beaucoup de scénarios de Belgique puis de France, alors qu'il y a plein de talents qui pourraient venir jouer. Vous avez parlé de longs métrages. Vous faites aussi des courts-métrages. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce format, dans cette démarche? Un court-métrage, ce que j'aime, c'est que tu vas donner de la dynamite en peu de temps. Puis tu tournes ça en quelques jours, puis il y a des courts-métrages qui, en 10 minutes, sont capables de t'amener dans une dimension. Chaque projet est une aventure, chaque réal a sa façon de t'amener dans son univers. On sait ça, c'est vraiment tout le temps un voyage, chaque film est un voyage, puis une fois que c'est fini par contre. Moi, une fois que c'est terminé, on passe à autre chose. Sinon, c'est schizophrénique, ça marche pas, on devient fou. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Là, j'ai hâte de retourner en haut de la Citadelle. J'ai pris une petite bière en haut de la Citadelle l'année dernière et je crois que c'était ma meilleure bière à vie. Et j'aurais aimé amener mon amoureuse. Donc, mon amour, je t'embrasse. J'aurais aimé ça qu'elle soit là. Peut-être l'année prochaine. Ça. L'année prochaine, je vais l'amener. Merci. Ouais, merci. Merci à toi. Allez, on embrasse Madame aussi, on adresse un merci spécial à Alexandra, la monteuse de cette séquence qui n'a pas compté 16 heures. Le FIF, ce sont bien sûr des projections de films dans tous les sens, mais ce sont aussi des moments de détente. Chaque soir, eh bien, sous le chapiteau de la Place d'Armes, il y a des concerts, des soirées, des karaokés. Hier soir, par exemple, c'était le groupe Swimming Pool qui se produisait. Poules comme les poules. Tous les soirs, n'hésitez pas à venir, mais il faut se dépêcher parce que c'est déjà le dernier soir ce soir. On en vient aux photos. À nouveau trois aujourd'hui, comme les jours précédents. Trois portraits. Le premier intimiste de la cinéaste belge Amélie Van Elbde dans une loge du théâtre de Namur. Le deuxième, toujours au théâtre, eh bien, c'est dans la salle cette fois. C'est la responsable de la communication du FIF, Cathy Jusseret, qu'on salue et qu'on remercie au passage. Enfin, on avait hier le seul chien accrédité du festival, mais nous sommes à Namur, capitale de la lenteur. Il était donc normal que les escargots le soient aussi. Après la photo, on en revient au cinéma avec le défi du jour, avec aujourd'hui peut-être le début d'une grande carrière, on ne sait jamais. François a de grands rêves, strass, paillettes, people, il rêve déjà d'Hollywood. Alors son objectif, se faire embaucher dès aujourd'hui pour tourner dans son premier long métrage, même si ce n'est qu'en tant que figurant. Et oui, il faut bien commencer quelque part. Le défi ! Tu vois, la télé, c'est cool. Mais bon, après deux jours de silence on fif, on sait pas que ça me saoule, mais j'ai envie de passer à l'étape supérieure, tu vois. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un petit casting pour figurant. C'est peut-être le début de la gloire. Voilà, là c'est mieux. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ici que ça va se passer. Alors là, j'ai un peu le trac, mais heureusement, on est en avance, donc je vais pouvoir m'échauffer tranquillement pour être au top, quoi. Allez, on y croit. Écoute-moi bien, Jimmy. Oh, si la seule famille Redo. Ok, alors là, c'est le moment, c'est l'instant. On va rentrer vraiment, on va faire le casting, on va voir si je peux rentrer dans mon cinéma. Okay. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai laissé mon maquillage du plateau de tout à l'heure en télé. Comme ça me donnera une meilleure mine. J'espère que ça se voit à la caméra et tout, parce que j'ai pas laissé ça pour rien.
Et j'ai besoin de figurants pour un court-métrage dimanche. Donc vous pouvez être dans deux trucs dès aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est très stylé, ça. C'est très stylé, hein. Après, on va juste aller voir Sonic Summit, parce que là, il y a deux tournages qui vont se faire très bientôt et qu'on veut dans ce figurant. Moi, en gros, je m'arrange pour être là, quoi qu'il arrive. Ok. Parce que je veux rentrer dans le milieu. Ok. Et du coup, maintenant, je vais passer juste derrière aux photos, pour si jamais il y a d'autres réalisateurs qui sont intéressés par mon profil. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, un tournage en 5 minutes, ça part sur de bonnes bases. Hein. Vous êtes confortable. Voilà, super, impeccable. Vous voulez caler un peu. Voilà, et habituel, comme tu veux. C'est vraiment c'est le choix libre. Voilà. Donc voilà, Eric, je pense que c'est défi réussi. Je suis embauché en tant que figurant. J'ai déjà un premier tournage dimanche et puis je suis sûr aussi sur une base de données. Alors voilà, la télé c'est fini pour moi. Tu me verras plus en plateau, c'est parti pour Hollywood quoi. Allez, salut hein, ciao les nazes. Bah, on lui souhaite évidemment plein de César, plein d'Oscars, mais j'ai l'impression qu'il va falloir attendre un peu quand même. Voilà, silence, on fif, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, ce sera donc le dernier numéro, mais vous pouvez tous les revoir sur OVIO et sur les sites internet de la Elbe et de l'IEX. Merci à nos invités, bien sûr, dont vous deux. Merci. Merci à vous. Bravo aux étudiants et courage, il n'y a plus qu'un jour, on tient bon jusqu'au bout. On se retrouve évidemment demain sur la 3. On est flou, les gars, on est flou. Et ils mettent le générique.